Étape blues. On prend un rat, on le met dans une cage à deux compartiments. C'est la vie de mes capacités de rêver que nous prévenons dans la question de vos enfants et dans le monde enclenché des électriques interdépendantes. Avant que nos courants aient des pages en bas dans les milliers en chilanché, un signal même de manière qui va prendre la tête à la terre. Au début, il est inquiet, et très rapidement, il s'aperçoit qu'une porte est ouverte, et il bat dans la pièce d'à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Il apprend la porte très vite, il peut éviter la prédation, les petits chocs et les chocs qui sont dans l'espace, en passant dans le compartiment de la cage du feu. Cet animal expérience pendant 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé, au bout de 7 jours. Son poil est lisse, ne fait pas d'hypertension artérielle. Il a évité par la fuite la punition. Il a maintenu son équilibre biologique. C'est possible pour un rat en cage, et beaucoup plus difficile pour un homme en cage. Dans cette grande situation, la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition a provoqué chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni s'accompagne d'ailleurs chez l'homme, qu'on appelle l'angoisse. Et aussi dans son organisme, des perturbations de l'extrêmement profond. Du reste, si un nouveau repas dans un environ, Alors que normalement il aurait été fait par la tête, il ne le comprend pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait pu détruire, il fera une évolution cancéreuse. Et puis, les maladies de civilisation ou tout ce que l'on appelle les maladies de civilisation, les ulcères de l'estomac, les hypersensibilités artérielles. J'habite à l'infini, à la face du mal-être. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, il lui sera en face la mort qui lui servira d'adversaire, et dans ce cas, il va lui baisser. Cette lutte absolument inefficace ne lui permet pas d'appuyer la punition, mais il agit. Un système nerveux ne peut qu'agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement de gens. Tous les jours de la semaine, et toutes les semaines du mois, et tous les mois de l'année, quelle que soit l'homme est en position d'action. Il peut le faire par l'agressivité. Celle-ci n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. On débouche sur une explosion agressive qui est rarement fatale, mais sur le plan du thème, c'est parfaitement inhibitable. Ainsi, c'est cette situation dans laquelle un individu peut se trouver en
confusion dans la nation. Qu'elle se prolonge, comment la pathologie. Les perturbations en biologie la compagne vont déchaîner et causer l'appareil maladie, tous les comportements qu'on appelle des maladies mentales. Quand toute son agressivité, tout ce qu'elle ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même. Lui somatisera. Il dirigera son agressivité sur son estomac. Il fera un ulcère d'estomac. Sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle. Quelquefois même des lésions cardiaques, des infarctus, des hémorragies cérébrales ou des urticaires, des crises d'asthme. Il pourra aussi augmenter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Et quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi.